Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je fais évoluer un petit peu ce format. J'avais pris le parti au début de ne pas parler, mais en fait, je me rends compte que je vais être beaucoup plus utile en parlant. Du coup, je vais faire une petite vidéo comme ça, où je parle, je présente le mouvement qu'on va faire, et puis après, je vous présente quelques petites modalités pour pouvoir accéder à ce mouvement-là. Donc là, le mouvement qu'on va faire aujourd'hui, c'est Armad. C'est un mouvement, un coup de pied retourné, où on va venir ici, on va donner un coup de pied. Bien sûr, il y a X modalités. Le but va pas être de rentrer dans la technique. Ça, je vous invite à franchir le pas d'une école de capoeira à côté de chez vous pour pouvoir découvrir tout ça. Le but va être juste de faire un petit peu et de voir, ok, chez moi, comment je vais pouvoir accéder facilement à ce coup de pied qui, en fait, n'est pas si compliqué que ça. Donc, le but est juste de bouger un peu, d'utiliser son corps et puis de s'amuser avec des mouvements de capoeira, tout simplement. Bon visionnage. Salut les loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va travailler un petit peu le mouvement qu'on appelle la jing. Alors c'est le mouvement fondation pour nous, c'est le mouvement de base, c'est le mouvement le plus important qu'on va faire toute sa vie de capoeira. C'est un peu notre gamme, tout part de ce mouvement là, tout s'est construit autour de ce mouvement là, ça s'appelle la jing. La jing, c'est très simple, il y a X modalités selon les styles, les groupes de capoeira différents, les écoles de capoeira. Là je vais juste montrer quelques petits mouvements pour apprendre à faire la jing. Et après, avoir différentes modalités, comme vous voulez, pousser la porte d'un cours de capoeira pour pouvoir avoir un peu plus d'informations. Mais le premier mouvement avec lequel on va pouvoir s'amuser, c'est celui-ci. Salut les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va commencer à travailler un petit peu les coups de pied, ok? Dans toutes les vidéos que je fais, les modalités en termes de nombre de séries, de nombre de répétitions, je n'en donne pas parce que je veux que ce soit du plaisir. Je veux juste que ce soit quelque chose qui incite à passer à l'action, à se faire du bien un petit peu avec des petits mouvements de capoeira. Donc si vous êtes capable d'en faire 2, faites-en 2. Si vous êtes capable d'en faire 20, faites-en 20. Peu importe, ça va dépendre aussi de votre mood du jour. Donc pour les coups de pied, on lève dans ce sens et dans ce sens, tu vas voir, c'est très simple.
Salut les loulous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On va reprendre un petit peu le même exercice qu'hier, mais on va essayer de le faire au sol. Donc si au début c'est trop compliqué, vous pouvez poser vos fesses, mais au fur et à mesure, vous allez apprendre que dans la capoeira, on peut poser les pieds, les mains et la tête. C'est tout. Donc les fesses, on va essayer de les lever pour pouvoir donner exactement les mêmes coups de pied. C'est parti. Hey, salut les loulous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Aujourd'hui ça va être tranquille, ça va être facile, vous allez voir, pas très compliqué. On va voir un mouvement qu'on appelle finta circular. Il a plein d'autres noms dans plein d'autres écoles de capoeira. Et je vais le décomposer de façon hyper simple, ludique, juste pour commencer à bouger un petit peu. Dans les mouvements que je vous propose, si vous n'arrivez pas à l'étape 2, c'est pas grave, faites que l'étape 1. J'essaie de faire en sorte d'avoir quelque chose d'assez progressif, mais pour que tout le monde puisse faire. Si vous voyez le résultat final mais que vous n'êtes pas capable de le faire, faites juste l'étape 1. C'est tout. Le but est de prendre du plaisir. Et au fur et à mesure, on va commencer à avancer et à progresser. Le but, c'est juste de passer un peu plus à l'action. C'est parti pour la vidéo.